Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué cette lanterne japonaise. Allez, c'est parti! Je vais commencer par réaliser l'armature de la lanterne. Pour le bois, je vais utiliser du cipo, c'est un bois tropical, pour avoir une teinte assez sombre. Pour cette armature, je vais réaliser un assemblage à mi-bois, c'est-à-dire que je vais faire des découpes dans chaque pièce de bois, et à l'aide de ces entailles, je vais venir encastrer les pièces les unes dans les autres. Je fais les entailles directement dans les planches pour ne les faire qu'une seule fois, au lieu d'avoir à reprendre une à une chaque baguette après les avoir découpées. Pour les grandes pièces de l'armature, je fais aussi les entailles dans la planche avant de les couper, mais je vais aussi devoir les reprendre une à une pour terminer les entailles en tournant les pièces de 90 degrés. Maintenant que toutes les pièces de l'armature sont faites, je vais réaliser un premier cadre. Alors moi j'ai eu un petit souci avec les entailles, je les ai faites un peu trop profondes. Du coup, pour coller les pièces entre elles, je vais utiliser un genre de pâte à bois que je fais en mélangeant de la cire avec la colle à bois. Ça va permettre de combler l'espace vide dans les entailles sans que la colle ne bave partout. Et pendant que le premier cadre sèche, je fais des petits chanfreins aux extrémités des grandes pièces. Pour bien serrer les pièces entre elles, en plus du serre-cadre, je me sers d'un gros poids. Je ponce les cadres pour enlever l'excédent de colle et je fais aussi un petit chanfrein sur toutes les extrémités.
Quand les deux cadres sont terminés, je les assemble avec les grandes pièces. Là aussi, j'utilise le mélange de collette sûre pour combler les défauts. Maintenant, je vais fabriquer le support de la douille. Cette fois-ci, comme bois, je vais utiliser du chêne. Alors, je vais faire une première pièce carrée avec un grand trou diamètre 40 au centre pour pouvoir passer la douille. Pour la deuxième pièce, je fais un petit carré et d'un côté je perce un diamètre de 28 et de l'autre je perce un diamètre de 40 mais sans déboucher pour créer un épaulement. Une fois que l'armature et le support de douille sont terminés, je les colle ensemble. J'assemble les deux morceaux avec de la colle en alignant les trous et je les maintiens simplement avec un poids. En attendant que ça sèche, je vais découper toutes les baguettes qui me serviront à faire les motifs Kumiko. Alors là, j'utilise de l'épicéa, un bois qui a une teinte très claire, pour créer un beau contraste avec le bois rouge de l'armature. Pour les motifs Kumiko, je vais découper plusieurs dizaines de baguettes de longueurs différentes dans lesquelles je vais venir faire des entailles pour là aussi faire un assemblage à mi-bois.
rassembler les motifs, je mets le moins de colle possible pour ne pas qu'elle déborde de tous les côtés. Maintenant que les motifs sont assemblés, je les mets de côté et je vais terminer l'armature. Mais avant, j'applique un peu de cire liquide en guise de finition. Pour la partie électrique, je commence par fixer une prise sur le câble. J'utilise comme d'habitude de la colle chaude pour éviter que le tissu tressé se dénude avec le temps. À l'autre bout du câble, je fixe la douille et au milieu, je vais venir mettre un interrupteur. L'assemblage de la douille sur la lanterne est vraiment très simple, il suffit juste de la visser. Pour terminer les motifs Kumiko, je dois découper toutes les extrémités des baguettes qui dépassent. Alors une fois que tout est coupé, je vais poncer les motifs. Là, c'est une étape assez longue puisqu'il faut les ajuster correctement pour qu'ils s'encastrent parfaitement dans la structure. Maintenant, sur chaque motif, je vais coller un papier washi. C'est un papier traditionnel japonais qui a une très grande résistance et une transparence homogène qui est parfaite pour la réalisation de luminaires. Thank you.
pour déposer la colle sur les motifs, je ne vais pas l'appliquer directement. Je commence plutôt par l'étendre du mieux possible sur une surface plane. Et ensuite, je viens poser le motif dessus pour qu'il s'imprègne. Et après, je le pose délicatement sur le papier. Maintenant que la colle est sèche, je peux découper le surplus de papier. Alors l'assemblage des motifs Kumiko dans la structure se fait sans colle, et c'est pour ça que l'ajustement est très important. Et pour finir, en dessous de la lanterne, je mets des tampons en feutrine. Voilà, et ben le projet est terminé, alors je suis super content du résultat, surtout quand c'est allumé. Je trouve que l'effet il est super cool. Par contre, pour ces motifs, ça a été super long de faire les découpes dans toutes les baguettes, j'ai pas mal galéré, mais au final ça en valait vraiment la peine, parce que je trouve cette lampe vraiment jolie. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Bon, il y a quand même quelques défauts par-ci par-là, mais il faut vraiment regarder de près pour les trouver. Allez, maintenant je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Salut!